Coucou tout le monde. Alors, hier, je vous avais fait un haul et je vous avais dit qu'aujourd'hui, je ferai certainement une vidéo avec ce petit tampon et les crayons de couleur de chez Action. Voilà. Donc, bah voilà, hein. Je vais faire ça. Donc, je vais mettre la colo. Je pense que je la mettrai en accéléré sur la vidéo parce que ça peut être long quelquefois. En plus, j'ai pas fait de nuancier, donc je vais certainement tâtonner un petit peu. Alors, je vais essayer de prendre un peu les mêmes coloris que ce qu'il y a sur le dessin. On verra bien ce que ça donne. Alors, alors voilà, j'ai fini ma petite colo. En effet, ce sera forcément mis en accéléré parce que j'ai 17 minutes de colorisation. Alors, mon retour sur ces crayons, ils sont pas mal. Alors là, c'est la première fois que je les utilise, donc je les appréhende pas forcément bien. J'ai pris un papier un peu lisse aussi encore. Après, j'essaie sur un papier à grains. Mais franchement, j'aime bien. Il y a de quoi faire de belles choses, je pense. Voilà, donc je vais découper ça. Voilà, alors je vais passer le petit coup de crayon noir sur le tour. Bon, maintenant je vais réfléchir à ce que je vais faire avec ce petit colibri, hein. Je vous reprends après. Alors, j'ai sélectionné des petites choses. Voilà, j'ai fait mes découpes. J'ai choisi un papier qui vient du bloc que je vous ai montré dans mon haul d'hier. Voilà. J'ai pris un papier bleu irisé également de chez Action. Et puis, j'ai fait le tag de fond. Il se découpe très bien. Alors, moi, j'ai un petit défaut ici. C'est tout léger, alors je vais même pas le retailler, je vais laisser comme ça, tant pis. C'est juste que j'avais découpé un papier un peu pile poil et mon dies avait légèrement bougé, j'ai pas fait attention. Tant pis, c'est pas grave, ça ne se verra pas énormément.
Ah, on ne va pas en plus chipoter. J'ai fait le petit œillet aussi. Tout se découpe très bien, franchement. Et les étiquettes du même set. Je ne vous ai pas montré le set de dies, en fait. Si, je ne me rappelle pas. Je crois pas. Donc, c'est... Ah là là. J'ai utilisé ce set-ci que j'ai donc présenté hier dans mon hall. C'est très sympa pour faire des tags. C'est très rapide. Franchement, c'est pas mal. Alors, c'est des formes faciles, hein. Mais par exemple, les découpes autour de l'œillet, c'est toujours un peu chiant. Faut dire ce qui est. Là, franchement, ça se fait tout seul. Il est très bien ce set. Bon, voilà. Donc, j'ai mon petit colibri, j'ai mes étiquettes. Donc, j'ai 10 étiquettes du même set que je vais remettre dessus tout de suite avant que ça se prenne partout. Hop. Voilà. Par contre, je vais essayer d'agrémenter mon fond avec des tamponnages. Donc, j'ai pris ce set-là, le pissenlit me plaît bien là. Je vais voir, mais je vais le tamponner en gris, je pense. Ouf, c'est bien collé. Ouf, eh ben dis donc. Ça risquait pas de se sauver, hein. Moi, il me le faut pas en entier. Quel gris je vais prendre? Bah, je vais prendre du gris granit de chez Stampin' Up. Où est-ce qu'il est? Il est là. Hop. Je vais retourner, ça ira mieux. Je vais le tamponner à côté pour la première fois. Ouais, en gris, ça va être bien. Je veux juste que ça se devine en fait. Bon, ça va pas dans ton seau. Je sais pas pourquoi je fais ça. Je veux juste que ce soit un détail. Enfin, faut que ça se voit, hein. Et que ça reste léger en fait dans le fond. Voilà. Exactement. Donc on va voir la lumière. Forcément, ma lumière est pourrie. Vous voyez pas aussi bien. Mais ça se voit sans être trop tape à l'œil. Je veux que ce qui tape à l'œil le plus, c'est mon colibri, forcément. Je vais prendre une autre et je vais faire d'autres détails. Hop. Avec celle-ci. Pareil, je vais tamponner à côté pour essayer pour la première fois. Impeccable. Hop. Je vais venir en mettre un ici. Voilà. Je vais, voilà. Je vous montre. Vous voyez vraiment pas bien. La lumière, elle est vraiment pourrave. Je vais essayer d'allumer mon autre. Oups. Pas sûr que ça donne grand-chose de plus, mais enfin. J'espère que sur les photos, ça ressortira mieux. Voilà, donc. Ça, je vais le ranger avant de faire une cato. Clac. Donc, je reprends tout ça. Donc, lui, je vais le coller là par-dessus. Et le fond sera blanc. Hop. Voilà.
Allez, bon, ma colis. Bon, du coup, vous n'avez pas de bord blanc entre le deuxième papier ici et l'œillet. Mais moi, ça me gêne pas. Je trouve ça sympa comme ça. Hop. Je vais mettre mon étiquette ici. Voilà. Donc mon colibri viendra là-haut. Je ne sais pas trop. Ouais, là comme ça ou dans le milieu. Je vais peut-être le mettre en relief. Et l'étiquette, je vais la mettre en relief aussi. Et sur mon étiquette, je vais tamponner un sentiment de chez Happy Little Fox. Je trouve que ça va bien avec le thème qui dit donc juste profiter de l'instant. Le colibri très rapide. Vous voyez, un peu le genre. Vision éphémère un petit peu dont il faut profiter. Je trouve ça sympa. J'aime bien. Est-ce que je mettrais pas des petits strass? Je peux peut-être en mettre un ou deux. Je vais chercher ma boîte. Donc, j'ai pris des petits strass, hein, transparents. Enfin, blanc. Enfin, translucide. Comment je mets ça? Non, je vais pas les mettre sur la. Sur l'étiquette. Hop. Et hop. J'en mets que trois. Voilà. Ce que je peux faire, c'est mettre un ruban. Ce sera plus joli. Je vais chercher ça et je reviens. Alors, j'ai pris trois rubans différents. J'ai pris du blanc et deux bleus. Hop. Je vais en mettre un morceau de chaque. En plus, c'est des couleurs qui correspondent bien aux couleurs de mon tag. Hop. Et voilà. Alors, je vais recouper un petit peu mes rubans. Je viendrai mettre de la colle pour arrêter pour que ça ne s'effiloche pas. Et voilà. J'en reste là. Je le trouve très joli.
On peut écrire des choses derrière. J'aurais pu remettre un fond bleu à l'arrière si j'avais voulu. Hop, de plus près. Et bien voilà. Bah écoutez, je vais m'arrêter là. J'aime bien comme ça. On pourrait l'agrémenter encore, mais clairement, moi, il me plaît comme ça. Donc, bah, j'espère que ça vous a plu, ce petit projet. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous pouvez liker la vidéo si cela vous a plu. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à cocher la petite cloche pardon, de notification pour ne rien rater. Et sur ce, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Salut !